Ça aussi, ça doit changer dans la manière de coopérer avec la France et l'Europe. Regardez-nous autrement, en nous respectant, en nous considérant comme de vrais partenaires. Sur argentlivre.com, lisez et changez de vie. Aux élections dans des conditions difficiles, vous parlerez de compromis à l'africaine, alors qu'aujourd'hui, ces mêmes Africains sont en train d'attirer votre attention sur cette ignoble et injuste agression due au fait du Rwanda et demandons même des sanctions, personne n'en parle. Voilà ce que je voulais apporter comme précision pour dire ça aussi, ça doit changer dans la manière de coopérer avec la France et l'Europe. Regardez-nous autrement, en nous respectant, en nous considérant comme de vrais partenaires et non pas toujours avec un regard paternaliste, avec l'idée de toujours savoir ce qu'il faut pour nous et non pas pour... Voilà, merci. Je pense que le président Macron... Oui, malgré les vivas, si le président Tshisekedi m'y autorise, je voudrais apporter un commentaire au commentaire. Je m'explique. D'abord, je pense que c'est très bien parce qu'on lève beaucoup de malentendus à travers ce jeu de ping-pong. D'abord, je veux que vous sachiez que quand il y a des problèmes électoraux aux États-Unis d'Amérique ou en France, la presse française en parle. Elle les dénonce, elle l'explique, elle s'en saisit et elle en parle de manière aussi intraitable qu'elle le fait quand elle parle de vous. Donc il n'y a pas de double standard. Ce qui serait inquiétant, c'est si la presse française n'en parlait pas pour vous. Mais elle en parle aussi pour nous. Mais elle parle de compromis. Non, mais elle parle de tout. Elle parle de malversation quand il y en a. Elle parle beaucoup plus. Elle va beaucoup plus loin. Il n'y a pas de sujet. Elle essaie de dire la vérité. C'est le travail d'une presse indépendante. Et donc, il ne faut pas être choqué que la presse, quand elle a écho, quand elle entend des oppositions qui disent qu'il y a des problèmes, vous pose la question. Ce serait un double standard si elle disait « on est en Afrique, donc on ne pose même pas la question, ce n'est pas un sujet ». Non, elle pose la question, mais elle le fait aussi chez nous. Chez nous. Et il se trouve que chez nous, quand il y a des malversations politiques, je ne voudrais pas que des malentendus s'installent, y compris quand on fait référence au président Chirac, ben, il y a des procès qui sont faits. Et les gens sont condamnés, parce qu'il y a une justice indépendante. Donc il y a une presse indépendante et une justice indépendante. Ça crée une démocratie qui est parfois vibrante. Alors je ne dis pas que c'est... on se fait attaquer, mais c'est très bien. Ça permet des alternances démocratiques et ça permet de bâtir par cette maïeutique une vérité. Ça, c'est la première chose. Ne croyez pas qu'il y a un double standard, ça n'est pas vrai. Ne croyez pas que ce soit de l'irrespect, ça n'est pas vrai, parce que les journalistes français, européens ou américains posent les mêmes questions à leurs dirigeants chez eux. La deuxième chose, et ça me permet d'insister, parce que le président a parlé de la France en répondant à la question. Quand un ou une journaliste française pose une question, ça n'est pas le gouvernement de la France. Et c'est bien comme ça. Mais il ne faut pas tout confondre. Non, je... Parce que... Non, non, non. Mais ce n'est pas une position de la France. Je faisais allusion... Parce qu'il n'y a pas de... Il y en a eu. Je faisais allusion au propos de Le Drian. Lui, il est officiel français. Oui, mais... Le compromis à l'africaine, c'est Le Drian. Ce n'est pas la journaliste. C'est exact. Mais ce compromis... Mais cette formule, président... On sait d'où elle est sortie et on sait le contexte électoral. Non, mais on sait le contexte électoral. Et il n'y avait pas de caractère de mépris dans la formule de Jean-Yves Le Drian. Si. À Nairobi, d'ailleurs, grâce à toi, on a pu s'expliquer avec lui. Et la France a beaucoup œuvré, vous le savez ô combien, pour qu'il y ait alors une alternance qui n'aurait pas été à ce moment-là un mécanisme spontané. Je ferme cette parenthèse, mais je voulais faire cette précision. Pardon. Bon, ma personne, comme tu peux le constater, il s'agit d'un échange d'une conférence, je pourrais dire, qui opposait deux chefs d'État, en l'occurrence le président Emmanuel Macron, chef d'État de la France, et à côté on a M. Tshisekedi, qui est le chef d'État de la République démocratique du Congo, ou encore appelé le Congo-Kinshasa, parce qu'il y a deux Congos, la RDC, et le Congo-Brazzaville. En l'occurrence, ici, ça existait une conférence dans le cadre de la tournée africaine que M. Emmanuel Macron a donnée récemment. Et là, nous sommes exactement le 4 mars 2023, le jour de cette conférence qu'a donnée
Emmanuel Macron avec le président Tshisekedi. Et il se trouve que cette conférence rentrait aussi dans le cadre du fait que, en ce moment, le Congo, je crois au Nord Kivu, si je ne dis pas de bêtises, le Congo RDC est attaqué par le groupe M23, le groupement du 23 mars, qui est un groupement qui vient de la région, de la tribu rwandaise, les Tutsis, qui attaquent le Congo dans cette région-là, notamment en raison de toutes les mines et toutes les recherches de cette région-là. Bref, je te présente juste le cadre. Et moi, je suis tombé sur cette conférence ce matin. Je me suis dit qu'il fallait que je t'apporte ma grille de lecture par rapport à cet extrait. Je te mettrai soit là en haut, soit dans les commentaires, le lien de la conférence tout entière pour que tu puisses te faire une idée beaucoup plus globale. Une fois de plus, si jamais tu regardes cette vidéo en t'attendant à ce que je commence à encenser le président français, tu te mets le doigt dans l'œil jusqu'au cou parce que je veux que dans nos prises de parole, que ça reste purement objectif et que ça reste surtout constructif, qu'on puisse voir comment des interventions comme celle-là, on puisse voir comment tirer notre épingle du jeu pour avancer et faire grandir la communauté. Voilà. Donc, si tu attends une quelconque médisance, tu peux appuyer stop et passer à autre chose. Par contre, si tu veux écouter un message constructif suite à cette prise de parole, écoute attentivement ce qui va suivre. Donc, de ce petit échange, je vais mettre en lumière peut-être deux aspects que peut-être tu n'aurais pas vu de cet échange afin que tu puisses, qu'on puisse grandir ensemble, you know. Donc, premièrement, voix, d'habitude, ce genre de prise de parole était tenue par le côté anglophone. C'est vrai, on me dira qu'il y a par exemple le Thomas Sankara qui parle le passé avec des prises de parole assez radicales. Quand il trouvait quelque chose n'allait pas, on parlera aussi de Sékou Touré qui lui aussi avait des prises de parole, des positions assez claires quand il voyait qu'il y a des choses qui n'allaient pas. Mais là, on se rend compte que de plus en plus dans la zone francophone, on a maintenant le président Tshisekedi qui a décidé de faire part de son ras-le-bol. Et là, comme il fallait s'y attendre, il y a l'auditoire qui a applaudi. Moi, derrière cette prise de parole, moi, j'aimerais mettre en lumière une chose. C'est qu'il faut être aveugle pour voir qu'il y a des choses qui se passent en Afrique. Le continent est en train de bouger. Mais seuls ceux qui sont dans l'action ou ceux qui ont les yeux ouverts le voient. Parce que pour beaucoup d'entre nous, il y en a qui continuent à voir l'Afrique comme il y a peut-être 30 ans en arrière. Des gens qui tout le temps avaient la main tendue, qui tout le temps disaient « Amen » à tout ce qui venait de l'Occident. Mais moi, de ce que moi je vois avec les jeunes et moins jeunes que je côtoie au quotidien, je me suis rendu compte que là-dedans, ça bouge. Internet est venu révolutionner le monde. Parce que désormais, nous sommes beaucoup plus lucides par rapport à ce qui se passe et par rapport aux enjeux. Avant, on n'avait que la télévision, comme j'ai envie de dire, comme vitrine. On n'avait que la télévision pour avoir un contact avec le monde extérieur. Mais désormais, on a Internet et on peut avoir plusieurs pans pour se faire sa propre idée. On n'a plus une information qui est complètement contrôlée par les médias conventionnels. Mais désormais, avec Internet, on peut aller écouter ce que d'autres médias disent pour se faire une idée beaucoup plus globale de ce qui se passe. Donc, j'ai envie de dire que si quelque part le président Tshisekedi ose tenir des propos comme cela, en soi, il n'y a rien de mal. Hein? Il dit une réalité. Mais c'est que quelque part, s'il a le courage de le faire, c'est parce que derrière, il sent que le peuple le soutient. C'est parce que derrière, il sent qu'il y a un peuple qui pousse, qui montre que non, désormais, on veut une autodétermination. Il faut que vous compreniez bien ça. Lui, tout seul, il ne peut rien faire. Mais si derrière, il y a une population qui pousse et qui dit désormais, on ne veut plus ça, mais on veut plutôt autre chose, lui aussi va se sentir obligé en tant que leader de faire comprendre aux puissances extérieures que non, désormais, mon peuple ne veut plus que vous le traitiez d'une manière ou d'une autre. Mais ça, c'est possible parce que c'est le peuple qui impulse l'énergie. Je ne sais pas si vous captez un peu. C'est le peuple qui impulse l'énergie. Maintenant, une fois qu'il a fait tout ça, il faut aussi savoir que, quelque part, la guerre en Ukraine nous a ouvert les yeux sur un certain nombre de choses. Parce que le fait que la Russie attaque l'Ukraine, à tort ou à raison, mais quand on a une lecture géopolitique assez large, on a vite fait de comprendre que si on avait été à la place de la Russie, on aurait fait la même chose. Le fait qu'ils décident d'attaquer l'Ukraine et que aucune puissance,
aucune puissance états-unienne ou occidentale ne fasse une répression de manière directe sur la Russie, ça nous permet de comprendre que désormais le monde est multipolaire. Désormais, les Africains ont compris que si on ne peut pas traiter avec les Occidentaux, désormais on peut traiter avec les Russes, on peut traiter avec les Chinois. Du coup, ça nous permet de négocier les contrats tels que ça nous arrange nous. Je ne sais pas si tu captes un peu ce que je veux dire. Mais il faut comprendre que le monde a changé. Le monde a changé. Et il faut être aveugle pour ne pas le voir. C'est tout ça qui donne, j'ai envie de dire, le courage ou l'audace venant de la part du président Tshisekedi de mettre en lumière un certain nombre de choses. Parce qu'on connaît tous beaucoup de présidents qui parlent de passé avec, pour moins que ça, on les avait déjà évincés, ils avaient été victimes de coups d'État et tout le bazar. Donc si des choses comme ça arrivent, c'est que, un, le peuple donne l'impulsion parce que le peuple est beaucoup plus éclairé grâce à Internet. Et deuxièmement, c'est parce que désormais le monde est multipolaire. On n'est plus obligé de travailler uniquement avec la France ou les États-Unis. Mais désormais, on a les Russes, on a les Chinois qui, eux, ils ont une autre vision du monde. Et ça nous permet de négocier avec celui qui nous permet d'atteindre nos objectifs. Bon, ça, c'est le premier pan que j'aimerais que tu vois. Pour que tu puisses comprendre quel est l'impact, quel est le rôle que toi aussi tu as à jouer sur l'avenir de la communauté. Parce qu'on a vite fait de toujours remettre toute la responsabilité sur les chefs d'État. Du coup, comme c'est facile, tu le dis que c'est à l'autre de faire son job. Mais chacun s'étant tranquille et se dit, bon, c'est le président. Non. Il faut savoir que les hommes politiques obéissent à leurs financeurs. Donc, si on a des personnes qui financièrement sont fortes sur le continent, elles pourront dire aussi à nos chefs d'État, à nos hommes politiques, désormais, voici ce qu'on veut et voici ce qu'on n'admet plus. C'est aussi clair, net et précis que ça. Donc, en tout cas, moi, j'ai beaucoup apprécié le courage dont a fait preuve le président Tshisekedi. On espère qu'il y en aura davantage. Mais j'aime à dire que ça reste un discours. Si on veut qu'il y ait des actions concrètes, il faut qu'on pèse financièrement. C'est ce qui m'amène au deuxième point. Dans sa prise de parole, il dit, il faut nous regarder avec respect. Je répète, dans sa prise de parole, il dit, il faut nous regarder avec respect. Ce qui m'embête avec ça, c'est que le respect, ce n'est pas quelque chose qui se demande. C'est quelque chose qui s'impose. Je répète. Le respect, ce n'est pas quelque chose qui se demande, c'est quelque chose qui s'impose. Ça s'impose comment? Ça s'impose par le travail bien fait. Ça s'impose par la puissance économique. Ça s'impose par la puissance militaire. Même la puissance médiatique. J'insiste sur la puissance médiatique parce que on se rend compte que nos médias, puisqu'ils ne pèsent pas assez à l'échelle mondiale, bien des courses, ben, la communauté africaine est très mal perçue. Du coup, ben, notre image, notre valeur perçue, notre image à l'échelle mondiale est très souvent ternie parce qu'on laisse les autres parler de nous. Lorsque les médias européens parlent de l'Occident, ils dépeignent le meilleur tableau possible. Mais comme nous, on ne prend pas le temps de parler de l'Afrique, ben on laisse les autres en parler et ils vendent une vision très souvent médiocre de l'Afrique. Et c'est cette vision-là qui est la plus répandue. D'ailleurs, si on va sur Internet aujourd'hui, on tape peut-être RDC. Les premières images qui vont s'afficher, je vous demande au défi, ce sera des images de la guerre. Comme si la RDC n'avait que la guerre à mettre en avant. Oui. Du coup, quand un pays voit ça, il se dit que bon, c'est un pays où il n'y a que la guerre et tout le bazar. Alors que c'est faux. Et ça, c'est valable dans la grande majorité des pays d'Afrique subsaharienne. Je vais aller plus loin. Quand on parle de respect, oui. Vous savez, si aujourd'hui, nous, on respecte les Occidentaux, c'est parce qu'ils ont imposé le respect. Si aujourd'hui on respecte les Occidentaux, c'est parce qu'ils ont imposé le respect. Parce que des fois on a l'impression que non. Ils ont imposé leur respect de par leur réalisation, de par leur travail, de par leur force militaire, de par leur force économique et tout le bazar. Ils l'ont imposé. Donc nous aussi on doit travailler pour qu'on nous respecte. Et je pense que les choses sont en train de changer parce que quand on se rend compte qu'on a des acteurs économiques qui deviennent de plus en plus puissants, des personnes qui peuvent acheter des villas, qui construisent, mettre en place de gros business à l'étranger. Mais là, on se dit, ben, qui a créé cette entreprise? C'est un Africain. Là, la perception que les autres ont de nous change directement. Tu n'as pas besoin de venir dire, je veux le respect. Non. Tout de suite, la perception que les étrangers ont de nous change. Je vais prendre un simple cas de figure. Bon, c'est un cas minime. On n'a pas besoin, voilà. Il y a quelque chose qui est clair. Lorsque j'arrive devant les gens et que je me présente comme étant étudiant en médecine en France, tout de suite, tu sens que le regard des gens change.
Ça n'a pas été volé, c'est que j'ai bossé pour me faire une place. Oui, mais tu ne peux pas dire que, j'ai envie de dire, tu peux pas dire que tu balais la cour tous les jours. Et lorsqu'on te traite moins bien que quelqu'un qui est peut-être directeur d'une société, tu te plains, tu dis j'ai besoin de respect. C'est vrai. Tous les êtres humains ont besoin d'être respectés. Ils doivent être respectés. Mais il y a certains privilèges qu'on ne peut pas te donner de par ton statut social. Donc il faut qu'on travaille pour imposer notre respect dans le monde entier. C'est super fondamental de comprendre ça. On ne commande pas le respect, on l'impose de par notre travail. Je vais aller plus loin. Tu sais, aujourd'hui, j'ai envie de dire que nous sommes un peu victimes de ce qu'on appelle le syndrome de Stockholm. Syndrome de Stockholm dans la mesure où, tu sais, c'est un peu comme quand tu as un bourreau et quelques années plus tard, tu commences à aimer ton bourreau. Je prends un exemple. Il y a certaines personnes dans la communauté qui, malgré ce qu'on sait de l'histoire, bien sûr, on ne va pas mettre tout le monde dans le même panier, malgré ce qu'on sait que les Occidentaux peuvent nous faire subir par le passé, il y a des Africains dans la communauté qui sont victimes du syndrome de Stockholm dans la mesure où ils dénigrent les membres de leur communauté pour applaudir les membres de la communauté, j'ai envie de dire occidentale. Je vais aller plus loin, peut-être les mots ne sont pas assez clairs. Je rencontre souvent des femmes et même des hommes qui disent clairement que pour elles, c'est impossible pour elles de sortir avec un homme noir ou de sortir avec une femme noire. Ça, j'ai rencontré plusieurs personnes de la communauté noire le dire. C'est ce que moi j'appelle des personnes qui sont victimes du syndrome de Stockholm. Je ne dis pas qu'elles n'ont pas le droit ou ils n'ont pas le droit de se mettre avec des blancs ou des blanches. Non, attention. Mais j'ai dit juste que raisonner comme ça, c'est très très dangereux. C'est pour ça que j'ai dit que malheureusement, dans notre communauté, nous sommes encore victimes du syndrome de Stockholm. Pourquoi? Parce que les Européens ont su se vendre, ils ont su imposer leur respect, ils ont su imposer leur culture, leur manière de voir le monde. Et comme nous, on ne sait pas le faire, comme on n'arrive pas encore à le faire, eh bien, très souvent, on se rend compte que même les gens qui font partie, même les membres de la communauté, s'auto-flagellent. Parce que quand une femme ou un homme noir dit qu'elle ne peut pas ou il ne peut pas se mettre avec une femme ou un homme noir, est-ce que ça a un sens? Est-ce que ça a un sens? Demain même, cette personne va se mettre avec un Européen. Très bien. Ils vont avoir des enfants métis. Qu'est-ce qu'il en sera? Qu'est-ce qu'il dira à ses enfants? Je ne sais pas si vous voyez un peu d'où je veux en venir. Je pense que certaines femmes et certains hommes de la communauté vont se reconnaître dans ce que j'ai dit. Ça ne va pas. Mais ça, c'est possible parce que les autres ont su se mettre en avant. Ils ont su imposer leur respect. Je ne sais pas si tu captes un peu ce que je veux dire, le syndrome de Stockholm. Beaucoup de gens en sont victimes. Je vais aller plus loin. Moi, je connais des amis. J'ai des amis à Paris d'origine camerounaise qui, quand ils se présentent aux yeux des gens, ils disent qu'ils sont entiers parce qu'ils ont honte de dire qu'ils sont camerounais. Parce qu'ils sont dans une bébé, ils sont français, plus souche. Ils disent qu'ils sont d'origine entière parce qu'ils ont honte. Vous voyez un peu? Ils ont honte parce qu'on n'a pas su dans notre communauté imposer notre respect. Tu vois jusqu'où ça va? Donc maintenant, si tu ne fais pas pour toi, il faudra que tu le fasses pour tes enfants. Si tu n'imposes pas le respect pour toi, il faut que tu le fasses pour tes enfants. Parce que si tu deviens puissant, ben tu vas voir que tes enfants seront fiers. Lorsqu'on leur dira que non, les noirs ne sont bons qu'à faire du sport ou à faire de la musique, ces enfants-là diront, non, j'ai mon père ou j'ai ma mère à la maison. C'est un brillant ingénieur, c'est un brillant homme d'affaires, c'est un brillant entrepreneur, c'est un brillant médecin. Et tout ce qu'on va leur raconter à l'école, pour eux, ça sera du pipeau. Parce qu'ils savent qu'à la maison, ils ont quelqu'un qui tient la route. Et oui, et toi, ton discours deviendra cohérent. Et tu deviendras une source d'inspiration pour les autres. Donc cela étant dit, j'espère que cette petite capsule vidéo t'aura été utile. Ça va être plus long que ça. Mais si jamais tu souhaites avoir une lecture beaucoup plus puissante du monde dans lequel on vit, je vais te recommander un seul livre, celui du père Paul Focam Kamounier, l'homme noir le plus riche d'Afrique francophone, intitulé L'intelligence économique. Ce livre te permettra d'avoir une vision à 360 degrés du monde dans lequel on évolue. Je te le recommande vivement, disponible sur agentlivre.com ou en cliquant sur le bouton qui s'affiche juste là. Cela étant dit, c'était Valère Bélias, le chercheur d'argent, et je te donne rendez-vous à ma prochaine vidéo. Minakano. Sur argentlivre.com, lisez et changez de vie.